Un dauphin. C'est super. Et maintenant, qu'est-ce que je suis censée faire ? Y a rien. Je suis venu te voir. Il me faut une raison maintenant pour te voir. C'est elle la nouvelle ? Et Johanna ne mange plus ? À cause d'elle ? C'est fou ça. C'est bien une femme. Je vais dire bonjour à Barbara. Mais je te verrai pendant le spectacle. Bisous. Ils sont spécialisés dans la littérature enfantine. Enfin, c'est ce qu'on m'a expliqué. Mais j'avais jamais entendu parler d'eux. Comment est-ce qu'ils sont tombés sur toi ? Mon CV est sur un site d'illustrateurs, avec ma plus belle photo. Leur boîte s'appelle Elden. Vous savez ce que ça veut dire ? Ouais, héros. C'est de l'allemand. J'ai pas mal progressé en langue récemment. Bravo, en voilà une tête bien faite. Je suis impressionné. Allez, mange. C'est bon pour tes neurones. Ils ont besoin de carburant. C'est toi qui vas faire les dessins, papa ? Va savoir. Comme d'habitude, ils vont me convoquer pour un entretien interrogatoire, ils vont me faire mariner un maximum et au bout du compte, rien. T'as encore envie de vomir, Valéria ? Lucia, ça va ? Viens voir. Je te présente Carlos Zavala, du Centre océanographique de Palerme. Il vient voir comment on travaille. Regarde-la quand tu parles, elle lit sur les lèvres. D'après ce que m'a dit Barbara, il y a un dauphin en pleine déprime ? Ah, pardon, ravi de te connaître. Lucia a dit que... Johanna, c'est un joli prénom. C'est vraiment adorable pour un dauphin. Tu comprends la langue des signes ? En tout cas, je comprends ce qu'elle dit. Super, alors je vous laisse, vous n'avez pas besoin de moi. J'ai un rendez-vous et je suis déjà en retard. Au revoir. J'espère que si elle est en retard, c'est pas à cause de moi. Moi aussi, j'ai été retenu. J'étais pas très en avance. Bon. Ça fait longtemps qu'elle est comme ça, Johanna ? Depuis l'arrivée de la nouvelle. Alors comme ça, on est jalouse, Johanna. Hein ? Viens ici. Ouais, c'est bien. T'es gentil. Au zoo. Il faut qu'on aille au zoo. T'es pas sérieuse, là ? Au zoo ? Oui. On peut, je sais pas, aller voir des dauphins, par exemple. Tu parles d'un super plan, merci. Pourquoi pas cet après-midi ? Qui vient avec moi ? Et pour une fois qu'on peut faire ce qu'on veut, on va où après ? Au parc, faire la balançoire ? Bon, bah moi j'y vais. Si ça vous dit pas, tant pis pour vous. Sans moi, merci. J'ai des trucs importants à faire. Quoi, comme truc, on peut savoir ? C'est moi qui ça regarde, Isa. Désolé. À plus tard. Tiens, prends ces cadeaux. J'ai plus faim. C'est à quoi ? Au pavot. Il y a 0 calories. Pourquoi tu proposes pas à Damien d'y aller avec toi ? Oui. Comme ça, il amènera sa chérie.
Bah quoi, c'est un risque à courir, comme on dit, qui ne tente rien à rien. Damien ? Isa ? Quoi ? Je fais ça pour t'aider. Salut. Vous avez une idée pour cet après-midi ? Ouais, mais tu devrais t'asseoir, c'est flippant. Vraiment ? Bon, bah tu me le dis ou... Ou tu veux pas que je vienne ? Si. Si, bien sûr, sauf si t'as pas envie. On a prévu d'aller au... Au zoo. Au zoo. Ça va pas? Il est pas bon ton sandwich ou pas vous? Ah vraiment, et le repas d'hier, il était pas bon non plus? Tu crois que je fais exprès de vomir? Non, mais moi j'ai rien et j'ai mangé la même chose que toi. Bah, je sais pas ce que j'ai, peut-être que je suis allergique au pavot. Non, je crois pas, non. Si je te disais ce qui se passe, tu me prendrais pour une folle. J'ai ma petite idée, figure-toi. Valéria, tu serais pas enceinte. C'est ça, ouais, par l'opération du Saint-Esprit. Écoute, mon enfant. Mon père. Surtout, n'ayez crainte. N'ayez confiance. Vous êtes dans la maison de Dieu. Prenez votre temps et dites-moi ce qui vous tourmente. J'ai couché avec un homme, mon père. Le péché de chair. C'est un collègue à vous. Un serviteur de Dieu, un prêtre. Je fais l'amour avec lui toutes les nuits. Mais même si vous me le demandez, je ne vous dirai pas son nom. Ça suffit, que voulez-vous ? Mon père, j'essaie de le pousser à commettre une folie. Une folie ? Oui, un acte extrême. Je veux qu'il mette à mort ses paroissiens, qu'il les empoisonne dimanche à la messe. Un programme alléchant, n'est-ce pas ? Et croyez-moi, mon père, j'arrive toujours à mes fins. Ça fait plusieurs siècles que je m'entraîne. Qui êtes-vous ? Je crois que t'as pas le choix. Il va falloir que tu les sépares. Sinon, tôt ou tard, Johanna finira par s'en prendre à l'autre. C'est ce qui se passera. La jalousie, c'est un truc bizarre, non? On sait jamais si c'est notre imagination qui nous joue des tours ou si c'est l'autre qui se moque de nous. Ça t'est jamais arrivé à toi? Moi, je me suis rendu compte que ma copine me trompait au bout d'un an, tu te rends compte? Un an à me voiler la face. Ouais, parce qu'au début, j'osais pas aborder le sujet, j'avais peur qu'elle se fâche, ou je sais pas, j'avais peur de la perdre, je me faisais peut-être des idées. Tu me suis ? Ah, bien. Je sais plus comment m'y prendre avec Lucia. Au début, je me suis dit, ça va lui passer, mais maintenant... Si elle m'aime pas, qu'elle le dise et qu'on en finisse. Sergio, Lucia est différente. Elle se sent pas comme nous. Ouais, toujours son foutu complexe. Mais ça fait 2 ans qu'on sort ensemble. Tu lui as déjà dit que tu l'aimais? Je lui dis tous les jours, toutes les heures. Tu sais ce qu'elle me répond? C'est des mensonges. Choisis-la pour moi, s'il te plaît. Je veux une bague qu'elle n'enlèvera plus jamais. Une qui lui rappellera tous les sentiments que je ressens pour elle. Est-ce que tu peux être craquant ?
T'es sûr que tu veux rien de plus? Non? Rien, merci. Alors, comme je te disais, c'est des petits détails. Au début, on n'y fait pas attention. Et puis un jour, tu te mets à rembobiner le film, et là, tu réalises. Le soir où il n'est pas venu dîner. Ou le week-end où il t'a posé un lapin. Ou encore le jour où son portable ne captait pas. Et là, tu comprends. Tout n'était qu'un tissu de mensonges. Qu'est-ce qui se passe? Il te ressemble, celui-ci? Non. Si. C'est ton portrait craché. Celui-ci, c'est toi. C'est pour ça que tu es venu ici. Pour pleurer comme une gamine. Je pensais ne plus jamais te revoir. Tant que tu seras mortelle, moi je serai là. T'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Prends exemple sur eux. Ils sont patients. Et intrépide. Il y avait un signe dans le livre. C'est bien pour ça que tu es ici. Je comprends pas ce qu'on attend de moi. Que tu protèges une âme en danger. Elle s'appelle Lucia. Lucia. Et arrête de manger de la viande. Ta nouvelle nature ne le supporte pas. C'est pour ça que je suis malade tout le temps. C'est quoi la prochaine étape? Je vais avoir des ailes? C'est tellement absurde. J'ai aucune envie d'être un ange. T'en es déjà un. Hein? N'oublie pas. Lucie a besoin de toi. Valéria? Tu viens? On y va. J'arrive. Comment ça se passe avec Lucia? Ça va? Génial. C'est dingue, les dauphins l'adorent. Ils ont même changé sa vie, si tu veux savoir. Avant, c'était une fille renfermée, bourrée de complexes. Elle n'arrivait à se lier avec personne. On dirait que vous êtes très copines, Lucia et toi. Cette petite est un ange. Tu l'aimes beaucoup. Vraiment beaucoup. Ouais, ça saute aux yeux. Je te laisse, j'ai pas mal de travail. Tu restes pour le spectacle? Bien sûr, je manquerai ça pour rien au monde. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, señoritas et señoresses, veuillez les bienvenus au zoo. Bienvenue au centre océanographique. Je vous en prie, prenez place dans les gradins pour profiter du spectacle qui commencera dans 5 minutes avec les exploits de nos amis les dauphins. Mais t'es sûr que c'est eux que tu as vus? Bon, je comprends, mais si ça se trouve, la bague est pas pour elle. Elle ressemble à quoi, cette bague?
pour Barbara, mon amour inattendu. Ton mec, quel poète, hein. Bienvenue au Delphinarium de l'Aquarium Marin. Merci de faire votre accueil à notre équipe de dresseurs. Permettez-moi de vous présenter Pablo, Carlo, Tessa, Xavier et Lucien. Et maintenant, mesdames et messieurs, place au spectacle. T'as vu, c'est trop marrant. Applaudissez-les, ils adorent ça. Elle a bien dit Lucien, ouais. Notre joyeuse bande de dauphins. Cathy, Mani, Blanchard. Si je te l'ai donné, tu l'as mis dans ta poche. Et Johanna. Si le spectacle vous a plu, Lucien ? Bonjour. Tu es bien Lucien ? Tu ne me connais pas. Je m'appelle Valeria. Je suis là pour... Je suis là pour t'aider. Ah, tu es... Je savais pas. J'ai quelque chose à te dire. On m'a confié une mission. Je dois te protéger. Il faut que tu sois très prudente. Ne me demande pas comment je le sais. Mais je le tiens de source sûre. Tu cours un énorme danger. Voilà. Il m'est arrivé quelque chose il y a peu de temps. Et depuis, il y a quelqu'un qui m'avertit quand une personne comme toi est sur le point d'être... Valeria ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Hein ? Rien. Je voulais féliciter mademoiselle. Ouais, bravo. C'était super. Tu viens ? Tout le monde nous attend, on y va. Oui, j'arrive. Bon, il faut que j'y aille. Au revoir. Surtout, sois prudente. Ça va, va retrouver les autres. J'arrive tout de suite. J'arrive. Bien, et maintenant, mesdames et messieurs, place au spectacle. Salut. Bonjour. Ça va? T'es parti avant la fin du numéro? Je vais te ramener à la maison. D'accord. On y va? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Lucia? Où tu l'as trouvée? Quoi? Pourquoi tu veux plus me revoir? Lucia, attends!
clé, j'ai une clé USB avec d'autres échantillons de mes travaux. Des travaux du même style, je suppose. Oui. Je vais être franche avec vous. Je recherche quelque chose de plus sombre, de plus réaliste. Un combat entre le ciel et l'enfer, en quelque sorte. Un peu comme dans la vie. Je peux faire quelques épreuves et ensuite vous déciderez. Oui, mais ne traînez pas. Vous n'êtes pas le seul candidat en lice. Oui. Mais dis donc, on ne devait pas être seul. Qu'est-ce qu'il fout là, mon père ? Oui, j'aimerais le visiter. Non, je préférerais plus tard. Midi, oui. Super, merci. Oui, j'y serai. Bien, très bien. C'est parfait, merci. Tu cherches un appart ? Tu n'imagines pas ce que ça me coûte. Il est très bien, celui-ci. Oui, sauf que je peux plus payer le loyer. Tu peux pas me faire ça, ça fait 2 mois qu'on vit ici. Oui, oui, je sais. Que veux-tu que je te dise ? En ce moment, je suis sur un siège éjectable au journal. Et cette interview exclusive, tu disais que t'allais faire un carton. Justement, ça fait 1 mois que je cours après cette Martha Bestero, mais j'ai tout fait foirer. Ils ont filé l'exclusivité à un autre journaliste. Mais merde, tu peux pas partir, moi. Ça suffit, maintenant. Et ne me parle pas comme ça. C'est pas la fin du monde de déménager. Tu t'en vas ? Vous allez déménager ? Miranda, je t'ai dit de rester dans la chambre. Vas-y, s'il te plaît. Tu t'embêtes pas, jolie fille. Si tu décroches l'interview, tu gardes ton boulot, c'est ça ? Écoute, j'ai grillé ma dernière cartouche. Elle s'est enfermée dans son hôtel et elle ne me prend plus au téléphone. Alors je vois pas ce que je peux faire. Crois-moi, je regrette, Damien, mais c'est comme ça. Tu regrettes, ouais. C'est tout ce que tu sais faire. Damien ? Damien, ouvre, s'il te plaît. Ouvre-moi ! De Dieu, je t'interdis d'approcher. Je sais qui tu es. Ah oui ? Eh bien, qui suis-je ? Lucifer ! C'est un nom qu'il vaut mieux éviter de prononcer ici. Mais sois tranquille, je ne reste que le temps de te poser une question. Alors, mon père, que vois-tu à présent ? Le ciel ou bien l'enfer ? Qu'est-ce que tu es venu faire dans cette église ? La même chose que d'habitude. Demander pardon. Je vois que tu as gardé ton penchant pour les hommes de Dieu. Ne me dis pas que tu es jaloux. Tu sais très bien ce que je ressens pour toi. De la tendresse. De la peine. Continue à se battre toute la journée ou tu me dis ce qui t'amène ? Ne vous approchez pas d'elle.
Cette garce nous appartiendra. Elle chutera. Elle n'est pas comme toi, Alexia. Combien de siècles va-t-il te falloir pour réussir à me pardonner ? Bonjour. Nous avons rendez-vous. Entrez. Je ne savais pas que vous étiez aussi jeune. Eh oui. Moi, par contre, je sais tout sur vous. C'est normal. Un bon journaliste se doit d'être informé. Eh bien, par où est-ce qu'on commence ? Que penses-tu d'ici ? Qu'est-ce qui vous prend ? Lâchez-moi. Lâchez-moi ou j'appelle la police. Bonne idée, Martha. Ouais, vas-y. J'ai un scoop pour eux. Qu'est-ce que c'est ? Un compte en banque. À la Barbade. Où tu places l'argent que tu voles depuis 5 ans à la fondation que tu présides. Tu veux qu'on raconte à la police où passe le fric des petits orphelins ? J'appelle ou tu le fais ? Tu vas donner l'exclusivité au journaliste que tu snobes depuis un mois. Le jour de son choix, et sans condition. Et tu lui diras tout. Mais pas sur le compte en banque. Non. Ça, non. C'est comme ce qui va se passer ici. Personne n'a besoin d'être au courant. Tu vas voir qu'il va rester ici toute la journée. T'as un sacré caractère, Lucia. Je pensais pas que tu pouvais être aussi teigneuse. Tu commences à bien me plaire. Je rigole. C'est leur casse-croûte. Tu veux que je te dise ? Ce garçon t'aime. Beaucoup. À la folie. Qui, lui ? Ouais. Il a peut-être eu ce qu'il méritait, mais tu vas pas l'ignorer jusqu'à ce soir. Si ? Hé. Tu l'as bien fait souffrir. Il a compris qui tu étais. Tu crois pas que ça suffit ? Regarde-le. Hé. Hey, il est à toi. Rien qu'à toi. Ne laisse personne te faire croire le contraire. C'est ce qu'elle veut, l'autre. Que tu ne lui reparles plus jamais. Heureusement, t'es beaucoup plus forte qu'elle. Il fera tout ce que tu voudras. Va le rejoindre. Vas-y, je te dis. Vas-y, je m'occupe de nos amis. Allez. C'était presque trop facile. Je t'assure que c'est la vérité, même si tu trouves ça impossible à croire. Je ne mens pas. Je ne t'ai jamais menti, je te le jure. Non, aujourd'hui non plus. Je voulais seulement te faire une surprise.
On peut dire que la claque, c'était une belle surprise. Je la garde ou je vais la rendre? Dis-moi au moins que tu la trouves jolie. Qu'est-ce que tu regardes? Elle te plaît? Oui ou non? Je vais régler les cafés. On remet ça ce soir, j'en meurs d'envie. De café. Votre adresse dans votre CV. Vous ne me faites pas entrer? Vous croyez que c'est ça, la réalité? Non, évidemment. Mais vous parliez d'un style fantastique. Ça, c'est ce qu'un gamin dessinerait. Des anges avec des ailes, des démons laids et malveillants. On pourrait penser qu'ils se battent pour un pain au chocolat. Vous ne m'engagez pas. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je trouvais ça puéril. C'est donc ici que tu habites. Tu travailles chez toi? Quand je suis seul, oui. Dans un moment, ma femme et mes enfants vont rentrer. Adieu la tranquillité. C'est ton fils aîné? Oui. Comment s'appelle-t-il? Rudy. Un très beau garçon. Ça fait 18 mois qu'on est sans nouvelles de lui. Il a disparu. Comme ça? Juste disparu? Excusez-moi. Oui, Laïa. Oh, désolé, j'ai oublié. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je bossais. Oui, prends-le, toi. Du lait? Oui, je sais pas, moi. Excuse-moi. Les toilettes? La deuxième porte dans le couloir. Merci. C'est la fille de la maison d'édition, elle est passée à l'improviste. Oh, je suis désolée, Jonathan. J'ai dû partir en catastrophe. Un problème? Non. Juste une réunion de dernière minute. Envoie-moi tes dessins par email avec les corrections. Quelque chose me dit que toi et moi, nous allons faire de grandes choses ensemble. Ciao. Je suis affamée. On peut préparer un encas si tu veux. Je veux plus que ça. Je suis morte de faim. Votre pizza. Entrez. Posez-la sur la table, s'il vous plaît. Hey! Ça va, ma belle? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? T'es fâchée? Attends. Eh oui, bien sûr qu'on est amis. Bien sûr que je t'aime. Je t'ai jamais menti. Mais... Non! Quel SMS? Je comprends rien, Lucia. Calme-toi! Calme-toi, s'il te plaît! Calme-toi et réfléchis un peu, d'accord? C'est stupide, moi, aller avec Sergio. C'est toi que j'aime. Jamais je pourrais te faire de mal. Tu le sais, non? S'il te rend heureuse, reste avec lui. Ça me va très bien, moi.
moi, Lucia. Pauvre petite Lucia. Ta meilleure amie. D'abord, elle essaye de séduire Sergio, et maintenant toi. Elle va finir par vous détruire tous les deux avec ses mensonges. La solution est pourtant simple, Lucia. C'est elle ou toi. Si tu ne fais rien, tu ne te le pardonneras jamais. Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît? Qu'est-ce qui te prend? J'espère qu'elle va réagir et vite. Lucia a besoin d'elle. On peut pas se fier à Valéria. Laisse tomber. Mais cela, c'est poème. Qu'est-ce que tu attends, Valéria? Que le film se termine sans toi? Il faut que je file. Si tu veux, je te le passerai. Faites ici. Je suis une amie de Lucia, la dresseuse. Elle est pas ici? Elle est sortie. Elle avait une affaire à régler, un problème personnel. Elle ne devrait pas tarder. Vous aimez les dauphins? Oui. Vous aimeriez les caresser? Venez. Vous savez que le contact avec les dauphins a, pour certaines personnes, des effets relaxants. Il faut que je trouve Lucia. Regarde-moi dans les yeux. Vous êtes l'un d'entre eux. L'un d'entre eux, ça sonne bien. Qu'est-ce que vous avez fait à Lucia? Rien, je lui ai juste montré la voie. La seule et unique. Ah, où tu vas, hein? T'es trop tendu. Détends-toi. Détends-toi. Pas ça. Je sais que tu m'entends. Qui es-tu? Je te l'ai dit. Je suis venue pour t'aider. Pourquoi je peux t'entendre? C'est ton cœur qui m'entend. Pose ça, s'il te plaît.
Salut. Je te ramène. Comment t'as su où j'étais? Tu voulais aller au zoo. C'était hier. Bon, si tu veux pas venir, je m'en vais. Pourquoi t'es mouillé? Si tu crois que je vais te le dire. Tu dois être gelé. Il s'en est fallu de peu. J'ai failli déménager et même quitter la ville. Mon père avait trouvé un boulot, mais je pouvais pas partir. Pas maintenant. Pas au milieu de l'année. C'est pour toi que je reste. Pour toi. T'es qu'un menteur. Mais un très bon menteur. Allez, viens, monte. Accroche-toi bien à moi. Je vous l'envoie. Mon avocat a une copie, ça peut... Ah, super. Ça me va, moi. C'est vous qui voyez. Très bien, parfait. Vous n'allez pas le regretter. J'ai décroché le boulot. Je vais faire la couverture de toute la collection. Oh, bravo, papa. C'est mérité. Hey. Tu devineras jamais, c'était Martha Bestero. Elle va me recevoir demain à son hôtel, à la première heure et aussi longtemps que je le veux. Tu vois, t'as réussi. Oui, les femmes sont tellement imprévisibles. Écoute ça, elle m'appelle et elle me dit « Alexandre, je suis à vous. » T'en penses quoi? J'en pense que c'est une grande occasion. Ouais, c'est vrai, la chance va peut-être enfin tourner. J'en suis sûr. Bon, bah c'est bien pour toi aussi. Finalement, on reste ici. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi tu veux tant rester dans le coin. Je me suis fait de bons potes. Des potes, tu dis? Comme la fille que j'ai vue hier. Tous tes potes sont comme elle? Bah, il y a un peu de tout. Un peu de tout. Où est Graziel? Je suppose qu'il est en train de fêter son échec. Cette fille est plus forte que toi. Quelle fille? Nathaël a toujours su les choisir, même si ça te fait mal de l'entendre. Où vas-tu? Je vais m'arranger pour que cette histoire finisse mal. Cette viande est succulente. On devrait commander des pizzas plus souvent. Le fait divers a eu lieu aujourd'hui au delphinarium du zoo. Un dauphin femelle s'en est pris à sa dresseuse alors qu'elle nageait à ses côtés dans le bassin, provoquant la mort de la jeune femme. Il semblerait que depuis quelques semaines, l'animal répondant au nom de Johanna manifestait de la jalousie en raison des soins dispensés à une autre femelle récemment arrivée. La dépouille mortelle de la jeune femme a été transportée à l'institut médico-légal de la ville.